Alors, vous êtes acheteur d'un bien et vous avez ce bien qui doit être mis en location. Vous allez être soumis à des obligations de rénovation énergétique. Donc, F ou G. F ou G, voilà. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut se préparer à réaliser des travaux pour pouvoir sortir de cette étiquette énergétique. Pour pouvoir faire ces travaux, vous allez avoir bénéficié des aides. C'est important de le dire, tout le monde a droit à des aides. Et ce n'est pas simplement les petits revenus. Et un avantage fiscal aussi et pour même, le déficit même foncier. Et évidemment, donc un avantage fiscal pour le déficit foncier, des prêts à taux zéro, une TVA à 5,5 au lieu d'une TVA à 20%. Donc il y a quand même des mesures incitatives pour pouvoir faire ces travaux de rénovation énergétique. D'accord. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut anticiper toutes ces mesures qui vont arriver, aussi parce que le prix de l'énergie est élevé, donc de toute façon, c'est tout bénef de le faire maintenant parce que vous allez quand même réduire votre consommation. Et ça va pas aller en s'arrangeant.